chaîne. Aujourd'hui, c'est le 25, donc on fait le tirage au sort du défi de mai. Je vais vous redire les participants. Alors le 1, c'est Nathalie R du 91, le 2, Nini et ses créas, le 3, Scrap Titi, le 4, Marina, le 5, Anne, le 6, t'es pas Scrap, le 7, Soizic, le 8, Morissette, le 9, Sylvie Vif, le 10, Sabine Binette, le 11, Dadette, le 12, Tadoun, le 13, Cathy Scrap et le 14, F Créa. Voilà, il y a 14 participations. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous m'avez envoyé. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le défi. J'ai trouvé les petites passes. Bon, j'ai recollé hein, les petits éléments. Là, le petit diamant, là, j'ai mis là. Et là, la petite pince. J'ai mis une colle à bois. Bon, apparemment, ça a l'air de tenir. Voilà. J'ai recollé tout ce qui manquait. Voilà, les amis. Je vais faire la... Je reprends tous vos enveloppes. Je vais accrocher les épingles sur une ficelle. Puis, je vous montrerai ça. Je la mettrai certainement. Je la ferai pendre là. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait tous les petits papiers. J'ai mis là-dedans. Voilà. Je prends au hasard. Hein. J'ai mis que les numéros. Là, le 2. Au hasard. Hein. Le 7. Voilà. Donc, je remets tous les petits papiers. Je mélange. Comme il se doit. Il y en a, ils sont un peu dedans, un peu dans les autres. Voilà, et on va prendre un papier au hasard. C'est le numéro 7. C'est marrant, j'avais tiré juste avant. Pourquoi pas? Et nous allons... c'est malin, j'ai retiré le marque-page. Le 7, c'est Soizic. Soizic Scrap. Voilà, Soizic. C'est toi qui as remporté le petit tirage au sort hein, du défi du mois de mai. Il y en aura un au mois de juin, certainement. Et puis voilà, donc ça me fait très plaisir, bravo Soizic, et puis bravo à vous surtout parce que vos pinces étaient très mignonnes, il y avait pour tous les goûts, il y avait tous les styles, j'ai trouvé ça très très sympa. Encore merci et puis on se retrouve pour le prochain défi et bravo Soizic, bisous bisous, bye bye.